Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. On a faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, l'Université d'État d'Haïti. Et je dis, c'est un plaisir pour nous dans le cadre du travail de construction bâtiment entité. Nous avons visite ministre de l'Agriculture là, et le général agronome Patrick Sévère qui vient visiter nous aujourd'hui pour regarder comment l'État travaille là. Comme nous connaissons, le travail ça l'a fait avec le financement de la Banque interaméricaine de développement à travers un projet du ministère de l'Agriculture que nous relais PMDN2. Donc c'est un plaisir pour nous recevoir le ministre là aujourd'hui et qui comprenne toute réalité, qui ça nous gagne ici en termes de besoins, en termes de problèmes pour nous résoudre et pour nous capables d'atteindre l'objectif que nous fixons tête nous, qui c'est former des ingénieurs agronomes dans un cadre qui est approprié afin que la formation soit capable vraiment mettre la profit et contribuer à développement secteur agricole là. C'est la Banque interaméricaine de développement pour vous aider à porter dans le support pour la population haïtienne. Et l'agriculture haïtienne, nous connaissons tout le monde connaît Cap-Gadim là, nous manquons de techniciens en Haïti dans différents domaines. Nous sommes pays d'Haïti, un pays qui est sous parcours et cyclone. Chaque année, nous prenons des cyclones, presque chaque année. Et nous avons un nouveau paramètre qui est entré en 2000 pour tremblement de terre. Haïti, bon, notre génération pas de toute façon, pas de tremblement de terre. Mais nous en 2010, nous avons un tremblement de terre qui donc une bagaille, une garde matin. C'est avance mon chantier, pour moi qui ai un chantier à avancer, parce que tout le monde là connaît à cause des pays, à cause de Covid-19 là, l'école est campée. Et pour l'école à recommencer à fonctionner, il faut que y ait un espace bâtiment pour Yoshita. Bon, je fais une visite tout chantier au matin, moi pratiquement chantier à avancer. D'après ça, ils sont à film dans 10 mois. Donc 3 heures après, en décembre, on dit fonctionnel. A fonctionné en octobre, mais en décembre, il a fini net, ça veut dire câble tout bas a fini. Et salle de classe, côté Nabgadi, il a une capacité pour prendre 500 à 550 étudiants. Et eux-mêmes, il a fini, je pense, en mars, avril, il a fini. Et bon, comme nous sommes là, peut-être m'a pris le soin by responsable film, by plus de détails techniques. Mais nous-mêmes, ça, surtout, nous devons garder, c'est Jean Achanti à avancer. Pour nous sûr, chaque année, nous avons mis une quantité. Et tiens, d'ailleurs, moi, je change les moins de dans la faculté d'agronomie, c'était 35. Pour comprendre qui est fort, l'État ici fait, le gain bâtiment qu'on y a, qui a pris 500. Chaque année, c'était 35, je te comprends, au plus, la faculté d'agronomie, et nous tous connaissons, toujours gain parler en pile dans le pays d'Haïti, pas gain assez professionnel, même quoi, je ne veux dire, bâtiment ça a construit une capacité à 550 étudiants, qui vraiment n'a pas été divisé par 35, n'a pas combien de fois en plus étudiants l'a pris. Et mais tout m'a profité des micros, ça nous est là, il y a des gros bâtiments qui ont construit dans le pays, mais par contre, au niveau administration, nous avons là dans une dotoir qui prend 63 chambres, nous avons 252 étudiants, nous avons 2 chambres. Il y a des chambres pour voir pour les handicapés, parce que même si mon handicapé, il faut le prendre. Côté plus manger, il y a des sentiments tout bas, ça ou des bâtiments, ça ou des laboratoires, tout et tout. Mais il y a un barrage qui manque la construction, hein, ça manque assez l'administration. Pour construire l'administration, nous avons besoin de 6 millions de dollars pour ça. Pour construire 6 millions de dollars américains pour nous construire. Ma point appel à tout bailleur de fonds, tout le pays d'Haïti. Si nous avons aidé une jeune comme ça, pour nous, mettre la jeunesse haïtienne, disons, il y a dans ce pays, mais ce n'est pas la jeunesse qui travaille comme ça. On met des balles dans la tête. Et puis, il y a des jeunes qui ont une âme, 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 mais si on a une faculté d'agronomie dans notre faculté, nous retirons un peu de jeunes dans l'arrière parce que c'est vous, mais seulement c'est 4 qui manquent. Bâtiment construit selon un parasismique et nous t'a dit que théoriquement,
gen deux niveaux dans bâtiment ça et un seul niveau au niveau de dortoir, mais les cas prend un ou deux étages en plus et ça te prévoit dans l'étude là. Et ma gare par exemple lui construit son radier général de 75 cm. Seul l'autre bâtiment en Haïti qui prend ça, c'est l'ambassade américaine qui gagne 1 mètre de radier général. Donc c'est vraiment un bâtiment très solide, coloniaux très rapprochés. Donc au niveau structurel, pas aucune crainte. Si un tremblement est pour cacher, c'est la boumine. Alors, en termes de résistance, on est capable de résister à un tremblement de terre dans ce qui est de l'échelle. Bon, en général, une construction parasismique ou pas qu'à dire que le cas résister tant sous l'échelle Richter, c'est pas comme ça. C'est des degrés de dégâts qui sont admissibles. Et selon force tremblement de terre, mais l'essentiel c'est que les protéger vie, donc c'est sûr que vous pas bien problème avec vie étudiant. Film là c'est comment expert concept. Bon, son projet qui commençait en mars 2018. Normalement, nous étions supposé finir à peu près en mars 2020, février 2020. Maintenant, avec tout problème sociopolitique, avec tes gros problèmes et inondations ici en 2018, côté que nous fait pratiquement un ou deux mois, nous pas qu'à travailler. C'est pendant que nous étions en fondation, nous avons 50-60 cm d'eau. Donc nous avons perdu deux mois en 2018, nous avons perdu 5-6 mois pendant problèmes sociopolitiques, c'est-à-dire recommencer, camper, etc. Et ensuite, avec Covid, là, nous avons un ralentissement. Donc pratiquement depuis juillet de l'année dernière, de juillet à juillet, nous pratiquement travaillons à 10%, 10-15% de capacité. Hein. Donc c'est maintenant que nous vraiment commençons à reprendre depuis début mois d'août. Hein. Et donc on a bien un retard d'un an. C'est-à-dire qu'on a tant de retard d'un an. Maintenant, nous allons essayer d'accommoder, vu que la faculté n'a pas qu'à attendre tout le retard ça. Nous allons essayer de faire des accommodements, côté que nous avons essayé, par exemple, rendre d'autres la fonctionnelle, faire le minimum pour le fonctionnel pour octobre. Et même si il y a certaines activités, tant que par exemple réseau informatique, etc., parce qu'il prévoit plusieurs spécialités comment dit ça? En tout cas, il y a plusieurs spécialités qui viennent pour faire tout, climatisation, etc. Donc, bagaille ça, on doit avoir un retard, mais ça peut empêcher que d'autres là, on doit, disons, habitable à partir de fin octobre. Non, ça c'est sûr être là. Plateau central pour que j'aime sous ces youn. Est-ce que la joue une sachet? Parce qu'elle me sentit tout sur être fini. Est-ce que la joue une sachet? Parce qu'elle n'a demandé nous-mêmes dans le plateau central. Mais mandat nous presque fini. Nous ne pouvons jamais exécuter un projet. Depuis là, nous sommes élus, nous avons déposé le projet, mais nous ne pouvons jamais passer dans la phase d'exécution. Nous avons demandé avec le ministre. Là, nous avons un président du département qui est allé nous rencontrer. Il dit nous comme ça, il y a quelques projets qui sont pour passer. Il dit, il y a une activité qui t'a fait au Cap. Eh bien, après l'activité au Cap, il y a capable de passer maintenant au département centre. Mais nous avons trois projets là. Nous tous marchons avec l'acquise de réception. Yo. Parce que nous n'avons jamais un panneau. Hein. Nous ne connaissons pas qui ça nous gagne avec eux et nous sommes élus pour tous élus. Mais si nous n'avons pas nos valeurs, nos décisions, nous parlons, nous ne connaissons pas ce qui va passer. Les gens ont demandé pour tous les trois, c'est les ça, ils ont dit comme ça, et bien il faut que nous soyons là. Mais après ça, nous ne connaissons rien. Et nous disons, mais le mandat nous finit, nous ne pouvons pas exécuter un projet. Qui en a fait ça? Assessor, je suis une série de femmes qui a fait développement dans la section communale. Sans appui l'État. Je ne dis pas que la vie est tellement difficile pour eux par rapport avec le couloir politique ça que vous rentrez. Côté coordonnateur Kazek, vous sorti pour finir ensemble avec mesdames. Je vous remercie, ministre.
Assesseur Kazek yo, puisque pouvoir lui centrer dans mes coordonnateurs, il n'y a pas de rien qui a passé. Même les informations que le ministère a bail, coordonnatrice, je ne connais pas parce que le coordonnateur n'a pas partagé l'information. Deuxièmement, et on a parlé de coordonnateur, monsieur yo. Deuxièmement, pharmacien cher qui signe sous chèque yo, puisque vous avez une volonté pour travailler dans la section, automatiquement, vous finissez, vous ne comptez rien encore de l'argent ça. Et preuve là, il y a le projet 731 000 gouttes à nos jours, coordonnateur pour qu'on fasse rien. Administration ça y est dans valise coordonnateur à yoyer. Il y a formation sœur, il paye 3 mois. Ce soir, le mois, il touche ou bien le bas, je n'en ai du tout. Donc, elle a rempli. Et il est dépassé. Et puisque nous n'avons pas assez de temps, si nous n'avons pas pour nous parler là, nous tapons toute journée. Mais dis-nous qu'on va gagner un mandat spécialement. C'est différent de coordonnatrice, parce que c'est eux-mêmes qui sont coordonnatrices. Mais assesseur, ils n'ont pas dit on est comme pouvoir dans la section. On parle de, ils n'ont pas parlé dans l'élection. Nous-mêmes, ce n'est pas dans l'élection, nous n'avons pas parlé. Non, ils mettent nous deux dans la section. Parce que c'est. Je n'ai pas de bagage spécial. Je ne connais pas si c'est un autre et puis on va mettre dans le ministère. Pour nous, en tant qu'assesseur, on va obliger le ministre. Ça, c'est une demande que tout assesseur fait demander au moins pour nous un projet. Un projet pour chaque assesseur femme, mais il ne faut pas pa passer par le conseil. Parce que nous ne pouvons pas jouer. Dans un premier temps, ministre, nous devons rencontrer côté que le président Jovenel demandé pour chaque section vite déposer nos projets en tant que ministère. Côté PS, c'était 1 million de gourdes. Chaque section, c'était pour recevoir. Dans le rapport encore de Vingéry dans Delma 33, c'était le 17 novembre 2018, si je ne me trompe pas. Côté que le président a dit nous, projet ça a été déposé, il faut que nous transférer dans le ministère de planification, côté que c'est là pour sécuriser chaque section communale dans le pays. Depuis là, au contraire, il faut 1 million de gouttes, mais il devait passer à 750 000 gouttes. Mais dans ce premier temps, c'était 1 million de gouttes. Des quatre sections communales ou du moins quatre départements qui recevront font ça. Mais nous-mêmes, le département sud-est, nous voyons seule section communale qui recevra font ça. Nous faisons manifestation, nous montons et descendons, nous faisons marche. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de réponse. Étant donné que le projet, c'est dans le ministère de l'Intérieur qui est déposé. C'est le président Jovenel à la personne qui te dit nous, c'est le ministère de planification pour nous déposer. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Donc, ministre, nous remettons le dossier. Pour le département sud-est, c'est la seule section que j'en ai. Et normalement, en dedans et fédération nationale Kazek, il y a une 11e et association qui est AFCA. AFCA, c'est l'association qui est en dedans fédération hein, qui est occupée des femmes. Mais comme Kazek là, c'est Kazek femme, Kazek garçon, et ils ont demandé boum là. Et au contraire, parce que doléances femmes, doléances Kazek, yo, et moi-même, c'est moi qui, ou même c'est un monde qui charrie revendication et ni femmes ni garçons Kazek. Je dis, il y a fait et forum pour femmes. Ils ont rencontré pour les doléances. C'est vrai, nous tendez que en pile et Kazek femme a parlé des problèmes et fok Kazek garçon yo suspend tout bizio. Tout bizio comment? Nous comprenons que les femmes assistées, il y a environ 38
coordonnatrice Kazek dans femme dans tout pays. Mais plus femme c'est associée pour comprendre que ka, yo pas vraiment rivé sien sous compte, c'est pas tout qui sien sous compte, mais garçon yo même qu'on paraît plus intelligent et yo peut-être pas bail au rapport. Nous tendez doléances, on a continué pour doléances, le ministre n'a pas arrêté pour que lui passe toute journée, moi même m'a pas assuré que me passe toute journée. Même quand la rencontre n'a fait dans bord de fédération yo, yo gagne représentante là qui c'est madame Shelley Olivier qui toujours là avec nous, mais quand même il y a des bagages qui a passé ou bien doit pas connaître, mais les toutes là, les toutes cases ça là, il y a environ cinquantaine, les eux même yo parlé n'a pas de lit et nous capable et traiter problème ça yo et nous capable reler coordonnatrice ou bien cartel là pour que nous fait des réunions avec eux pour permettre yo aller plus bien. Mesdames nous senti aux victimes, nous mêmes nous pas encouragé, nous pas d'accord mesdames aux victimes, parce que dans un cartel c'est toi membre, il faut que vous chita vous discutez et les gagner des possibilités, les gagner projet, faut que c'est vous même qui chita ensemble pour que vous exécutez projet et les gagner payroll qui fait pour Kazek, faut que vous tout connaissez tout information qui sorti dans le pouvoir central qui pour descendre dans le pouvoir local là, faut que vous tout connaissez, c'est ça y a pour projet là que n'a cherché pour corriger problème ça. Nous connaissons famille qui ça y a pas duré dans cartel yo, le plus souvent famille maltraitée, pas seulement dans cartel, dans le pays d'Haïti même, c'est pays qui va avec une valeur. Ou quand même dans le Parlement, ouais, on peut demander un quota de 30%. Tandis que nous, tous ces mouns, nous 52% dans la société, il a demandé un quota de 32%. Je vous dis, le ministre a fait un plaisir pour te chita ensemble avec mesdames Kazek, qui a fait un peu problème dans le cartel. Surtout pour l'assesseur, même payroll, le monsieur a payé, il a fait un abus. Il y a deux mois et puis monsieur il y a un mois même. Ou sinon il y a un chèque là, il dit à l'ambac là, et puis il va payer. Grâce à Dieu, nous avons monsieur Paul André, qui est le président de FENACA, après vous, mais nous avons fait avec nous, tout te connaît, qui a accepté de courir mesdames, et toujours derrière, comme si vous voulez, il toujours derrière, quel que soit samedi, pour aider à courir pour nous avancer ensemble avec travail, mesdames. C'est dans l'objectif ça, aujourd'hui, le ministre intérieur a décidé, tendez mesdames, pour comment sous 672 sections communales, 38 femmes seulement qui coordonnatrices, pour nous comment augmenter quota ça et faire femmes qui casent yo paraître antigen visible dans la section communale. Il parle ensemble avec nous, mais nous connaissons pour notre cartel yo bah un antigen différent. Laissez gars qui a coordonné ou pas faire un projet ou même femme qui assesseur, si on va passer par cartel là, si on va passer par coordonnateur. Et même si c'est ou même femme qui fait toute démarche, elle vous signe un chèque là-bas. Ou l'a toujours dit, l'a signé le papier jambon chèque là vraiment. Ou faut qu'on négociation pour faire ensemble avec elle, oui. Pour signer un chèque là pour faire projet. Bon, quitter un peu dans le coble là sous contenant pour cartel là. Parce que qui gens nous fait nous-mêmes dans le cartel, nous pas mettre les frais administratifs parce que nous là pour la communauté à service. Quel que soit projet, nous joignons, nous dépenser tout le vous comprenez ça, monsieur là. Nous dépensons tout comme mieux parce que nous pas mettre les frais administratifs. C'est nous qui administration, c'est nous qui gérer l'étape. Ben nous avons un petit frais pour nous faire service, pour nous travailler avec les communautés. Le plus souvent, vous dites, mesdames, vous ne pouvez pas faire tout comme là parce que vous avez des capacités pour faire projet. Ou sinon, c'est vous qui faites projet. Pas oublier, c'est toi même qui dans le Kazek là. Chaque rete non point différent. Vous toujours laissé, coordonnateur, vous toujours laissé dans l'habitation par le projet à faire. Et puis pour habitation, mesdames, vous même négligez le conseil, mesdames, vous ne semblez pas rien. Et comme si pas existé, comme si pas chef. Il y a un pile Kazek là. Un pile Kazek comme là, c'est ça avant Dieu. C'est comme si vous pas chef. Yo Kazek, et comme si vous y a travail, à zong, y a travail parce que coordonnateur a les moyens venus. Yo dit que c'est pour gérer, et ceci, yo gérer, yo gérer dans l'habitation. Oui, tu vois, encore, c'est que mesdames, qui dans la collectivité, a été besoin de rencontrer avec Minicio. Pour tout bail, certaines doléances. En tant que femme, Kazek, j'estime que je vais seulement, monsieur, pour me réunir avec eux, pour me réunir avec eux tout. Et je suis capable de que, matin, j'estime que, une très bonne réunion faite là, parce que mesdames, vous êtes très pointues, en belles questions à poser, très articulées tout, questions à poser. Donc, en contraire, justement, collectivité est capable de prendre un droit de l'homme et
le gouvernement central devait pouvoir l'utiliser, utiliser collectivité là, comme cheval de bataille pour sortir pays là. C'est ça que nous sommes là, parce que c'est pas capable de faire développement sans passer par les collectivités territoriales. C'est ça, c'est bien. Le moment arrivé pour collectivité, parce que faut collectivité, c'est collectivité pour vivre. C'est volonté que bien pour ça. Et président, c'est président collectivité là, c'est Paul André, parce que c'est volonté pour rien. C'est pas une volonté, collectivité pas bénéficiaire. Mais moi, je dis que, moi, Dieu, bénéficier de passage, moi. D'entendre de ça. Pendant là, la collectivité a joui de tout ça qu'elle vient de jouer. Parce que le président de la République, l'exprime formel, ni le premier ministre, la collectivité a en place de choix la politique qu'a faite dans le pays, et particulièrement la politique économique du pays. Je dis, il va être jeune déjà. Ça va, elle va sur l'aime là. Bonhomme là, peut-être, mais bonhomme là, c'est collectivité. Et je vais pas parler de collectivité, je vais parler de filles et garçons là-dedans. Voilà. Que le même ouais, que le projet de mesure, le projet qu'on avait exécuté, il y a là-dedans au fur et à mesure. Ça fait, parce que comme on dit ça, on parle de collectivité à victime une seconde fois, et c'est le vœu du président de la République. Le président voulait que la collectivité a joui de tout ça que pendant l'entre comme président pour collectivité aïe. Vous m'attendez dans les anciens dames là et à partir de qui moment vous allez prendre avec vous. Bon, d'attendre un peu, m'a déplacé, c'est que me quitter. Merci. Qui c'est responsable finance locale qui a continué pour l'alliance. Et nous commençons à répondre déjà avec Rome de ça en passant. Nous commençons à répondre déjà. En deux collectivités, nous commençons à répondre déjà. Nous avons continué à faire la même démarche. Sous même lancé pour nous continuer à répondre. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec la chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons une vidéo pour être capable de jouer nous. Son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.